le tambour belay est un instrument très important dans la musique traditionnelle martiniquaise. D'ailleurs, c'est le poteau mitant, c'est-à-dire l'axe central. C'est le tambour qui accompagnait les travailleurs, qui donne de l'énergie, qui accompagnait les travailleurs dans les champs, souvent pour donner de l'entrain. Et aussi pour les travaux, même pour certaines constructions des maisons et tout. Et souvent, il y a un tambourier qui joue ça donne de l'énergie, les gens plus en train dans le travail, plus de joie à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Donc, le tambour belay est très associé à la clave du pays, la clave qu'on appelle les petits bois. Les petits bois, ça veut dire petits bois, qui tapent sur les bambous. Avec Philippe Nalui. Merci. C'est les deux instruments de percussion de base de la musique traditionnelle martiniquaise. La musique des Landes, je précise bien, la tradition rurale, hein, parce qu'il y a une tradition aussi citadine. Et avec l'évolution, j'ai amené un aspect contemporain à travers cette pièce que vous venez d'entendre, qui a été écrite pour flûte et harpe, c'est une pièce en deux mouvements. Et j'ai introduit la harpe dans la musique martiniquaise avec Claire Le Fur. Claire Le Fur qui a enseigné la harpe classique à la Martinique pendant les années 80, début 90. Et qui a eu plaisir à m'accompagner dans mes créations pour flûte et harpe. Alors justement, je vais enchaîner avec une autre pièce avec la flûte et la harpe qui s'appelle le chant d'un pauvre. C'est une création du même type de structure avec un premier mouvement lyrique. C'est une pièce en trois mouvements. Premier mouvement lyrique avec la harpe et puis les percussions. Le chant d'un pauvre, j'évoque les vicissitudes du quotidien et la capacité de les transcender, d'en triompher et de maintenir l'état de paix et de joie intérieure.